Night and day, j'ai rendez-vous avec ma fiancée. Dans 20 minutes, mais ça, je suis sûr que vous vous en fichez. Alors, elle est pas belle ma veste? Je suis pas beau, j'ai rendez-vous avec ma fiancée dans 20 minutes. Ouais! Ah, comment me trouvez-vous, franchement? Hein? Belle veste, non? Ah là là. Oh là! Ah non, c'est pas vrai, je rêve. Oh non! Oh non! Il manque un bouton à ma veste. Bon, bah, je vais aller voir si je peux faire quelque chose. Hein. Une seconde, je reviens. Eh bien, voilà. C'est bien ce que je pensais. Il me reste 15 minutes et si je fais cette bobine-là, c'est parce que j'en ai trouvé qu'une, c'est celle-là. Voilà. Donc, vous l'aurez compris. Coudre un bouton noir sur une veste noire avec du fil blanc, et ben voilà. Il fallait que ça m'arrive. Et dans 15 minutes, je la vois. J'adore cette veste. Bon, ben, puisque vous avez compris qu'il me restait encore 10 minutes à attendre, je vais vous poser un petit problème. Vous avez dans une main une bobine de fil et une aiguille, dans l'autre main un bouton qu'il faut coudre sur une veste. Oui, je vous le donne en mille et mille, noir. À votre avis, quelle est la couleur du fil qu'il faudrait utiliser pour que cela ne se voit pas? Tum, tum, tum. Non, c'est une question sérieuse. Je n'ai pas le cœur, franchement, à plaisanter. Imaginez-vous dans ma situation. Hein? Et en attendant la réponse que je suis sûr vous connaissez tous, je m'en vais profiter pour faire... enfin, vous me comprenez. Et puis, tiens, chercher quelques faits historiques, peut-être, sur cette expression. J'ai trouvé quelque chose. Il paraît que c'est aux alentours du XVIe siècle que l'on trouve l'expression « cousu de fil blanc » dans notre langage courant. Oui, on la retrouve dans la satire Ménipée. Vous savez, un pamphlet politique fameux. Oui. Mais revenons à nos moutons. À nos boutons. Eh ben d'ailleurs, où c'est que je l'ai mis, là? Ah ben tiens. Enfin bref. Si on met du fil blanc sur une veste noire... Ça me rappelle un sketch de Fernand Reynaud, ça. Enfin, vous me suivez, si on met du fil blanc sur une veste noire. Cela se remarquera plus, non? Enfin, plus que s'il n'y avait pas de bouton. C'est pas idiot, ça. Bon, oh, même j'y pense, il ne reste plus que 5 minutes, là. Ah, vite. Vous l'aurez compris, l'expression « cousue de fil blanc » désigne quelque chose de prévisible, que l'on constate de façon évidente, un peu à la manière d'un film où, dès le début, on sait la fin. On dit « Oh, bah, cette histoire, elle est cousue de fil blanc, quoi. » Ça sonne, c'est elle. Vite, une solution. J'arrive, mon amour. Et voilà le travail. Il est pas beau, l'athlète, franchement. Plus de boutons, plus de veste, plus de nœuds papes. Reste quoi? La place. J'arrive, chérie.